connaît. J'aurais rien fait. Jesse, hein. Jesse, ouais. Jesse connaît pas. Donc on disait, sans pré-signal, ça arrive. Pourquoi tu fais ça, toi? C'est bon, ça. Alors maintenant, 10h10. À 10h10, et j'arrive avec la bouteille. Voilà. Là, il se protège. Ouais. Ouais. Ça peut être un journal, ça peut être même un bâton. Ça va vous faire mal, mais par contre, vous protégez votre crâne. Le crâne, c'est 5 mm, hein, donc pour déjà... moi, je te pète le crâne. Non, 5 mm pour péter un crâne, il faut déjà y aller. Faut un beau choc. Hein. On se pètera plus facilement la main sur un crâne que le crâne sur la main. Donc, vous voyez, c'est tout bête. Le hérisson. Alors, le hérisson, il faut que tu poses tes mains à plat sur la tête. Voilà, voilà, c'est ça, bien protégé. Et l'avantage de ça, c'est qu'il a une meurtrière. Ouais. Donc, on voit comme dans les châteaux forts. C'est-à-dire que même si c'est un crochet, ouais, paf, même avec le crochet, voilà, c'est vraiment le système qu'on va travailler avec les ailes. Et puis l'avantage aussi qu'il va avoir, c'est qu'à un moment, il va foncer. Ah voilà. Et ça, c'est terrible. Ça, ici, un en avant, le rhinocéros, c'est terrible. Et dans les prisons américaines, ils ont appris une chose. Alors, il y a un type que je conseille de lire, c'est très bien traduit, il s'appelle Rory Miller. C'est un type qui est très, très à cheval sur la violence, etc. Il a vécu 20 ans